This call is being recorded. Fixer vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi, pour t'adorer mon roi, être écouté par toi, mes yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi, pour t'adorer mon roi, être écouté par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Combien de monde qui t'a adoré, qui t'a remis là, non pas là? Donc, combien de monde oui, qui t'a remis là, matin, la place ça, côté où il est là, non pas là? Qui t'a remis à respirer, oxygène, ou à respirer là, mais il n'y a pas respiré. Combien de monde? Il y a un proverbe haïtien qui dit plutôt nous l'aide nous là. C'est-à-dire tout le monde remet là. Tout le monde t'a remet là. Donc, être là, c'est-à-dire être présent, être vivant, c'est un privilège. C'est un privilège. D'aucuns sont ceux-là qui. Cause, je ne sais pas, n'importe quoi, veulent mourir. Ils demandent la mort. Mais pourtant, il y a des gens qui étaient qu'à. Si tu étais qu'à jouer à là,
paix, c'est un pour eux, un cadeau inestimable. Un cadeau inestimable. La vie, mes frères et sœurs, c'est un cadeau. Amen. La vie, c'est un cadeau. Amen. Donc, c'est un privilège pour la vivre. Ouais. Hier, et pasteur Paul, le message, il était à bail dernier résultat, plutôt dernière statistique du nombre de morts à travers le monde et avec qui, à cause du coronavirus. Bon, c'était juste à cause du coronavirus, mais qu'en est-il de ceux-là qui sont partis, décédés, morts à cause du cancer ou à cause d'un accident? Ils sont tombés sous des balles assassines. Et après avoir touché par une fièvre, ou du moins si on a l'autre maladie quelconque. Donc, seulement pour coronavirus, depuis son début jusqu'à maintenant, c'est plus que 4 millions. Mais pourtant, parmi nous, il y a des gens qui ont gagné corona tout, mais nous pas mourir. Amen, amen, amen. Il y a des gens qui ont malade, entre l'hôpital, faire opération, mais non là. Amen. Et la question que l'on devrait se poser, pour qui sommes là? Est-ce que nous avons réalisé raison qui fait que nous là? Ah, il y a plusieurs réponses que nous sommes capables de dire. C'est parce que là, nous pouvons arriver. Oui. Mais nous surtout là parce que nous pouvons finir par bon Dieu gloire. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous surtout là parce que nous pouvons remplir mission que bon Dieu. Que bon Dieu ben nous sur terre. Parce que c'est vrai que nous avons bon Dieu gloire sur terre, mais nous avons le bal gloire dans le ciel là. Les gens ont le bal gloire dans le ciel là. Mais ils vont travailler, ils vont mission pour nous soutenir ça. Donc, mon frère de soeur, chaque fois que nous dormons et nous levons, considérez que c'est une grâce, c'est un privilège. Et comme j'aime toujours à le dire, c'est un privilège pour faire plus de bien. C'est un privilège pour devenir de meilleures personnes. C'est un privilège pour nous capables de ranger la vie, pour nous capables d'appliquer nous à la sagesse. Seigneur, nous venons en présence au matin avec une reconnaissance remplie de gratitude pour ce qu'on fait dans la vie, nous, pour ce qu'on y est pour la vie. Nous venons de considérer combien nous sommes privilégiés parce que nous sommes capables de dire jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Oui, Seigneur, si l'Éternel n'était pas notre secours, notre âme, ou plutôt nos âmes seraient déjà bien vite dans la du silence. Combien de fois, Seigneur, nous t'es fait face à des situations qui pourraient porter atteinte à nos vies. Et tu as décidé autrement. Tu as donné des vies à notre place. Oui, papa. Nous bénissons. Nous glorifions. C'est pas rien de fait pour ça. Mais c'est garder Noël comme ça.
Nous verrons nos actions de grâce. Nous voulons dire merci matin. Merci pour chaque frère, c'est nous qui connectés déjà avec nous. Nous traversons sa première de la semaine. Merci pour le week-end. Nous permettre que nous te passer en bien. Pour permettre que nous te vaquer à l'activité. Nous en famille. Mais nous te aussi en route. Pour nous aller dans la place, côté pour nous rencontrer avec frère, nos sœurs, nous pour nous adorer en esprit et en vérité. Et pour nous être capables de recevoir provision côté gagné pour nous, Seigneur. Nous bénissons, nous glorifions. Merci pour ça, pour chaque rencontre qui t'a gagné pendant Josayo. Dans la famille du Christ. Matin, Seigneur, mais nous venons là, nous lever encore une nouvelle semaine qui présentait devant nous. Nous connaissons un plan pour nous pour cette semaine. Oui, nous avons un plan pour chaque jour, nous avons un plan pour chaque heure, nous avons un plan pour chaque seconde, chaque minute. C'est mon appel au Seigneur, pas quitter nous dans une mauvaise direction. Chaque pas nous fait aller devant nous. Mais nous conduisons dans le bon chemin. Si nous avons pris une mauvaise direction, tant pis, conduisons sur la voie de l'éternité. Parce que nous ne voulons pas dérouter, nous ne voulons pas prendre autre direction. Nous voulons plutôt suivre empreinte par nous. Et c'est là où nous mettons pas par nous. Merci pour la vie, l'être et le mouvement reçu de toi. Merci pour protection, pour plan de protection pour bien pour nous pendant ce moment, Seigneur. Merci parce qu'on a marché devant nous, Seigneur, et nous-mêmes nous suivre. Merci pour provision qu'on a fait pour nous. Matin encore, Seigneur, ou renouveler envers nos bontés, au fil de nos compassions. Ça nous fait pour ça, Seigneur. Pour fidèles envers nous, en ça. Même le nous-mêmes, nous sommes fidèles. Mais c'est parce qu'on remet. Pour dire nous ça, oui, dans Isaïe 43. Pour remet nous, nous importants. Pour. Oui. Pour dire nous que nous avons valeur dans Dieu, Seigneur. Nous importants pour. Ou nous. Et amour pour nous, Seigneur, ce n'est pas n'importe quel amour. Ce n'est pas amour pour un mari ou un mari pour une madame. Des parents pour des enfants. Amour aux amis pour les amis, non. Amour par là, puis grand passé toute sa langue, mon exange. Alléluia. D'aller plus loin par ces étoiles, les gens qui te fin perdu, et parmi les gens qui te fin perdu, moi, c'est vous. Oh, oui, Seigneur, nous sommes là-dedans. Et nous tous qui là, nous c'était une là-dedans. Nous sommes là, nous te sauver, nous prenons. Nous longeons, mais on l'a côté, nous te prenons, nous nettoyons, nous. Nous pas de gagner et yon droit de cité, nous pas de gagner en demeure. Mais je dis, nous ne sommes plus des gens du dehors, mais nous sommes gens de la maison de Dieu. Alléluia. Nous sommes des concitoyens des cieux. Amen. Fais de nous un peuple acquis, un sacerdoce royal, une nation sainte. Oui, Seigneur, tu fais de nous pour toi sur cette terre des ambassadeurs pour la propagation de ton évangile. Merci, Seigneur, pour toutes les grâces reçues de toi. Et, Nabdi encore, c'est un privilège pour nous servir. Alors, Seigneur. Privilège. Aidez-nous pour ne pas négliger le privilège de ça, Seigneur. Pour ne pas négliger aucunement.
Mais bon, toujours été attaché, attaché à toi, Seigneur. Béni temps, nous pourrons passer devant. Béni parole qu'on pourra adresser à nous. Parler à cœur, nous. Rappelez-nous, ça qu'on doit rappeler-nous. Et enseignez-nous ce qu'on devrait enseigner. C'est la prière que nous t'adressons, pas en fonction de nos mérites, mais c'est au nom et pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, à qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. 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 Là, frères et sœurs, hier dimanche, on était à l'église et pour vous qui ne le saviez pas, frère Bonny, pour lui, nous était qu'on a prié, c'était un problème pied qui était empêché depuis 2 ans à l'église. Et il me dit, nos portes étaient cassées. Hier, il est monté et grâce à Dieu, hier, frère Bonny portait souliers à l'église. Amen. Amen. Là, Amen. on te souvient à l'église. Tu étais avec nous, tu as adoré avec nous hier matin à l'église de l'église du Renouveau. Et nous disons, bon Dieu, merci pour présence. Alléluia. Nous étions certains que pas ça que l'y fait, premier pas ça que l'y fait, à permettre de faire des millions de pas encore. Parce que bon Dieu qui commençait à. Il y a besoin des fois nous faire un pas pour que lui-même ait de nous faire toute pression. Donc, on dit, mon Dieu, merci pour ça que ça a commencé à faire dans la vie, frère. Nous, on a continué à prier que mon Dieu va continuer à toucher lui. Nous, après, pour notre frère à l'église, qui c'est le frère Pierre-Antoine Delsoin, lui-même était l'hôpital, mais le Seigneur permet qu'il sorte de l'hôpital là. Amen, Il est appelé aux mêmes forces la Kaili. Et puis, hier matin, il était réveillé moins avant que nous allions. Madame Sourout, nous allions à l'église, parce que lui-même était venu, il était décidé de venir, mais en fin de compte, il est rendu compte qu'il n'est pas capable. Et puis, on te dit, on a gardé la prière, mais on a continué de capable de permettre qu'il reprenne force pour capable de continuer de servir le Seigneur selon la volonté de Dieu. Donc, matin, frère Maxime, qui sait que le Seigneur a gagné pour nous matin? Hier matin, hier matin, sur Radio CPAM, moi tapé dans l'émission Rencontre matinale, moi tapé méditer avec Frère Chaban sur texte et Matthieu chapitre 24, le verset 12 et le verset 13. Laissez me faire lecture là pour m'appeler depuis le verset 11 là. Il dit à cause de la propagation du mal, disons depuis le verset 11, beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la propagation du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On connaît si nous entendons ça de nos jours. Plusieurs situations que série de
pasteur retrouver, bon, plutôt capable de se faire disant pasteur, les gens qui se disent pasteur, et ils ont tombé là-dedans. Ça veut dire que en pile monde et journaliste, la presse, ils parlent mal en pile des pasteurs, ils parlent mal en pile des mondes qui sont dans l'église, de l'église. Au point que hier matin encore, m'attendais un chroniqueur qui a une émission tout sur CPAM qui a ridiculisé, qui a moqué le nom du Seigneur, qui a moqué de l'église, et pourtant lui était un soi-disant un ancien pasteur qui aujourd'hui est maçon loge. Il se moque d'ailleurs, il avait même déjà écrit un article pendant la pandémie qui était parlé de la mort de Dieu, que le coronavirus a tué Dieu. Et hier matin, il crachait sur le nom de Jésus dans sa chronique. Jésus. Donc, aujourd'hui, nous nous rendons compte que des moqueurs se lèvent pour parler mal contre la foi. Contre la foi. Contre l'Église. Contre Jésus-Christ. Et jusqu'à même et annoncer la mort. Donc, c'est pas la première fois, bien entendu. Cependant, la gravité des choses qui se passent dans nos assemblées donne la possibilité à ces moqueurs de se moquer du Seigneur. Et par implication aussi, en sorte que des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des vrais, bien entendu, je parle des vrais hommes, des vraies femmes de Dieu, y compris pour ce moment. Passez-nous en ridicule. Donc, passez-nous en ridicule. Et c'est pour cela que à méditer sur le texte. Des fois, lorsque l'on fait face à une situation, on a besoin d'un retour dans la source pour nous dire, pour nous garder tout ça, le Seigneur lui-même nous dit par rapport à ça. Et c'est en ce moment que on a médité sur ce texte. Sur ce texte qui nous parle du dernier temps. D'ailleurs, c'est à partir d'une question que disciples ont posé Jésus sur les signes du dernier temps. Et parmi ces signes du dernier temps, c'était aussi l'arrivée des faux prophètes. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont séduits très vite. Et les discours sont alléchants. Les discours sont de beaux discours. C'est percutant, c'est agréable à l'entendement, ce discours. Donc, ça fait que, après, jeune aujourd'hui, hein, ce genre de discours, ça a fait chercher. Jeune nous, ce genre de discours, ça a des discours qui ont séduit.
Et souvent, ils ont attribué séduction ça à l'onction. Yo assimiler genre de discours ça yo, ces discours séduisants ça yo. Et des fois c'est des mon dans l'église que diable a utilisé comme il est au pasteur tout il est au prophète il est au apôtre pour séduire des gens des jeunes et qui malheureusement pourraient tomber dans ce genre de séduction, des paroles qui n'ont rien à voir à la foi, à la connaissance de Dieu, ou plutôt au vrai Dieu que nous servons. Mais l'autre impact que ça peut gagner aussi sur la vie, nous, mes frères et sœurs, relation nous avec bon Dieu, c'est que c'est le refroidissement de l'amour parce que l'iniquité sera accrue, l'augmentation de l'iniquité et parlant d'iniquité, ce sont des choses mauvaises, néfastes. Viol, crime, des fois c'est quelqu'un qui dit être pasteur qui fait qui enseigne plusieurs filles dans l'église et ou bien qui a détourné l'argent ou bien qui l'a gagné kidnapping. Tout ça qui lagué qui non a cité dans crime dans massacre. L'important c'est des hommes à Bible et je vous dis à qui fait que je vous dis à y a pas de l'évangile mal sécuriser des hommes de Dieu des femmes de Dieu. Il y a moqué au même de Dieu. Tu réagis, c'est maintenant à une chroniqueuse qui lui-même t'a parlé en ce sens, qui t'a moqué. Comme tu dis, le Seigneur est en train de faire un tri. Nous sommes arrivés au moment où le Seigneur est en train de faire un tri. Le Seigneur il vient laïe la main. Nous-mêmes qui sommes en Haïti, nous comptons les laïe. Il vient laïe la main, la vanne. Il vient un tri la fait. Et c'est ça, c'est grain qui est bon, qui a pris la panier. Tout mauvais grain, c'est yo qui a tombé. Mauvais grain yo a tombé des fois moun yo pa wè mauvais grain yo mais yo wè yo pa wè bon grain ki rete yo yo pa tenu compte des bons grains mais yo gade l'ensemble des mauvais qui tombent. Le Seigneur est en train de dévoiler, de faire un dévoilement. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, nous qui sommes chrétiens chrétiennes, nous devons prendre le temps de prier pour l'Église. Prier pour l'Église de Jésus-Christ. Prier pour la foi. Quand situation est venue comme ça, la Bible nous avertit que la charité du plus grand nombre se refroidira. Et mais le texte nous dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » On croit dans la sécurité éternelle. Et bien entendu, c'est l'idée des calvinistes
qui parlait de sauver net. Mm-hmm. Je n'ai pas dit ça, mais je crois dans la sécurité éternelle. C'est-à-dire, monde qui pour bon Dieu, d'ailleurs, Jésus même l'a dit, nul ne peut ravir de ma main ceux qui sont à moi. Mm-hmm. Alors, pour bon Dieu, ce n'est pas ça mon abdi qui va le détourner de la foi. Ce n'est pas non plus ça mon abdi qui va le refroidir. Bien entendu, ça qui a découragé un peu. Mais le découragement du chrétien ne dure qu'un instant. Parce que le chrétien ne reste pas longtemps dans le découragement. Un chant redonne et relève le chrétien. Oui, un témoignage relève. C'est peut-être ça, moi-même, avec nous besoin de témoigner parce que nous ne savons pas qui est ce témoignage, nous pouvons le toucher. Parce que bon Dieu fait un bagage pour nous fait pour nous dire. Nous ne savons pas qui est ce témoignage, nous pouvons le toucher. Oui, ça a amené un peu de découragement. Alors, constater, c'est un fait des choses qui a fait au milieu, dans le monde évangélique de nos jours. Et ce n'est pas seulement en Haïti, et c'est à travers le monde. Mm-hmm. Des choses se passent au milieu du monde évangélique. Mais la parole de Dieu nous dit que celui qui persévérera, c'est un avertissement. La persévérance, mes frères et sœurs, c'est une chose qui manquait dans les... Le Seigneur nous exhorte à plusieurs reprises à la persévérance, de nous prier avec persévérance, prier sans cesse, sans se décourager. Et ça nous pas relâcher. Parce que nous, ouais, situation, ça va venir, continuer à persévérer. Pas garder ça qui a passé autour de vous, mais vous-même, continuer à persévérer. En parlant du salut, comme nous l'avions parlé tout à l'heure, il y a trois étapes au salut. Il y a le salut positionnel, de par ma position en Christ, nous sommes sauvés. Il y a le salut progressif, c'est-à-dire pendant que on a marché avec le Seigneur, on a développé et salué, on a un but du salut, mais aussi il y a le salut final. Il y a le salut final. Le salut, la deuxième étape du salut, qui c'est le salut progressif. Le salut progressif, c'est là. Vient la persévérance, c'est de persévérer dans le salut. Mes frères et sœurs, vous et moi, nous sommes à l'étape où nous devons persévérer dans le salut. Nous devons marcher dans le salut. Nous devons vivre chaque jour notre salut en attendant de nous retrouver dans le plein salut, qui est le salut éternel. Ou du moins, c'est ce qu'on appelle la glorification, la sanctification. Je dis à mes frères et sœurs, pendant que nous avons demeuré dans le salut, pendant que nous avons marché dans le salut, pendant que nous avons vécu dans le salut, pendant que nous avons développé le salut, mes frères et sœurs, ce qui arrive, c'est que il y a toute situation, ça y est, qui a vint par nous des tapes, qui a vint secouer nous. Qui vient bouleverser nous, qui vient décourager nous, jusqu'à refroidir et charité nous, et l'amour nous, jusqu'à même refroidir foi nous, parce que Jésus-Christ l'avait dit dans Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, il dit, quand le Fils de l'homme, verset 8, il dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, ce genre de situation, mes frères et sœurs, qui viennent taper foi, non?
vient bouleverser foi nous. C'est pas dans nos besoins qu'on ait yon bagay, mes frères et sœurs. Vous et moi, nous avons besoin de persévérer jusqu'à ou attendre de toutes sortes de bagailles qui passent autour de vous-même. Mais nous avons besoin de comprendre que la Bible, le Seigneur Jésus, par sa bouche, t'a averti nous que dans le dernier moment, ça y est, ces choses que nous avons vivre là, ces choses que nous attendons, même au milieu de l'Église, c'est des choses qui doivent arriver. Parce que la parole de Dieu nous dit que plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens par des discours et ces gens des discours, t'as comme dit tout à l'heure, c'est des discours qui tellement bons, c'est des discours qui tellement agréables à l'entendre. Des fois, nous attribuons à l'onction parce que ces gens des discours qu'elle cherche sens nous, donc nous attribuons à l'onction. Pourtant l'onction, il est plus profond que ça qu'on a senti. Onction, mes frères et sœurs, il est plus profond que ça qu'on a senti. Des discours qui capral que nous avons attribué avec onction, mais c'est juste des discours séducteurs, tout simplement. Et c'est eux qui a tiré les jeunes de nos jours. C'est eux qui a tiré un peu le monde dans l'Église. C'est eux qui a tiré. Et ce genre de discours, ça y est, que nous attendons à travers la bouche de certains pasteurs, de certains faux prophètes, de certains séducteurs qui sont des pasteurs, non pas des pasteurs pour Dieu, qui sont des prophètes, non pas des prophètes pour Dieu, qui sont des apôtres, non pas des apôtres pour Dieu. Mais vous savez que le diable a ses pasteurs, le diable a ses apôtres, le diable a ses prophètes aussi, qui font autant, qui peuvent aussi faire des miracles. La parole de Dieu nous dit, jusqu'à essayer de séduire même ceux qui sont sauvés. Nous avons besoin, mes frères et sœurs, c'est comprendre avertissement le Seigneur matin. Il dit nous, parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. On ne pas tomber dans la pièce, ça, non, mes frères et sœurs. On nous fait attention pour ne pas tomber dans. Et ça fait, je dis à. Fais attention à ça que nous attendons. Il y a un texte, dans le texte, et Matthieu chapitre 24, là, il dit ça, oui. Il dit, nous avons besoin de faire attention à ça que nous attendons. Nous avons besoin de faire attention à ça que nous appelons. Nous avons besoin de faire attention, mes frères et sœurs. Parce que nous sommes appelés à la persévérance. Persévérance en dépit de tout ce que vous voyez, ce que vous entendez. Nous devons faire preuve de persévérance car la parole de Dieu déclare celui qui persévérera jusqu'à la fin. Jésus avertit ses disciples qu'ils seront persécutés par ceux qui détestent ce qu'ils représentent. Oui. Mais au plus fort de leur tribulation, ils pourront garder l'espoir. Se sachant sauvés, les épreuves permettent souvent de différencier les vrais chrétiens des non-croyants ou des non-chrétiens, ou plutôt des chrétiens de nom. Aujourd'hui, il y a des pasteurs de nom, il y a des apôtres de nom, il y a des prophètes de nom. Ça, il faut savoir faire la différence.
faut savoir faire la différence. Ne vous laissez pas décourager par ces choses. Mais persévérons, mes frères et sœurs. Persévérons. Faites bien attention que personne ne vous égare. C'est lorsque le Seigneur nous a dit dans Matthieu 24, verset 4. Faites bien attention que personne, qui qu'il soit, ne vous égare. Malheureusement, nous jeunes en pile. Prenons avec ce nous aujourd'hui à qui égarer. Vous êtes à prendre un piège, ça. Vous égarer. Parce que vous avez été séduit. Séduit. Par des discours farfelus, aussi attrayants que puissent être ces discours, mais oubliant l'essentiel de la parole de Dieu. La parole d'aujourd'hui ne doit pas juste satisfaire votre intellect ou votre sens. La parole doit aller chercher votre cœur. Cette parole que vous entendez doit produire des changements dans votre vie. Comment vous voulez vivre vie aux gens, vous voulez, et pour, ou pourtant besoin de parole qui pourvienne. La parole doit porter une transformation dans votre vie. Donc, mes frères et sœurs, à nous faire attention. Seigneur, ce matin encore, nous sommes devant toi. Méditons de ta parole qui nous avertit encore une fois, ou plutôt qui nous rappelle l'avertissement que tu nous avais donné dans ta parole en ce qui concerne le dernier temps, ça y est, que nous vivons là. Côté que journée aujourd'hui, bagaille que nous attendons qu'à passer dans l'église, nous y dans lieu, côté que ou gagner petit garçon, petit fouillot à réunir, bagaille que nous tendons qu'à passer. Pourtant, il y a des gens qui, dans lieu ça, yo, qui pas au courant, qui pas sensible à toi, qui sont peut-être des victimes de certains discours qui égarent. Parce que tout simplement, à l'intérieur d'eux-mêmes, il y avait un vide. Je sais. Un vide. Il a cherché à combler. Et il joint quelqu'un, des hommes, des femmes, qui portent des paroles, pensant que ces paroles pouvaient remplir ce vide. Satisfaire leur soif, mais ils se fourvoyaient malheureusement. Et il y en a qui se fourvoient encore aujourd'hui. Notre prière ce matin, c'est de prier pour ton Église. C'est toi qui as dit, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Seigneur, matin, il y a un second bagaille que nous connaissons et nous sur de lui, c'est que l'ennemi est capable de faire tout ce qu'il connaît. Il est capable de faire tout. Oui, il est capable d'essayer à vili des pasteurs. Capable d'essayer moquer au de ou même moquer au de non
Mais ce n'est pas ça qui va les branler les besoins. Pas ça pour aller faire les branler l'église. Voyons ce que la pandémie a fait ou a essayé de faire. Tout bagaille est fermé, toute institution est fermée parce que porte bâtiment côté faire pour réunir. T'es supposé fermé tout. Yo t'es fermé. Mais pas dans le fermé, hein? Les portes bouche l'église a pas de jambes t'es fermé. Amen, amen. Bouche l'église a pas de jambes t'es fermé, non? Fermé, tu que t'as baillé des hommes intelligents pour créer les réseaux sociaux. Pour que l'évangile te cap continue à prêcher à travers les réseaux sociaux. Et nous croyons que pendant la pandémie, il y a plus de monde encore qui tend de l'évangile. Amen. 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 Je dis à toute porte institution, toute relouvrie, économie pays au relouvrie. Mais ça que l'y fait, c'est que gen pile moun ki décide de rester derrière nos réseaux sociaux. Pas retourner prendre place yo nan place nan lieu côté qu'on adore. Mais quand même tout ça doit retourner yo retourner. Parce que nan nou Seigneur, nous connaît ça relé être chrétien. Être chrétien c'est se réunir ensemble. Et persévérer dans la prière. Dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain. Être chrétien, c'est de se retrouver ensemble pour adorer. Pendant un moment où tu permets que nous sommes capables d'observer de façon virtuelle. Mais volontaire, ce n'est pas pour nous observer de façon virtuelle, c'est pour nous en présentiel. Amen. Je dis à, malgré toute bagaille ouvrie, mais il y a une porte l'église qui a encore été fermée. Il y a une assemblée qui a encore été fermée. Il y a d'autres personnes qui encore perdent. Pour aller dans l'assemblée, pourtant, il n'y a pas peur pour aller nulle part ailleurs. Seigneur, non seulement des bagages ça, mais aussi, n'attendez des choses qui passent au niveau de l'Église, ces bagages qui pourtant décourager nous. En plus, des voix qui se lèvent pour se moquer des serviteurs et de ton nom. Jésus. Est-ce que bagaille ça doit nous décourager nous? Non. De nous retourner dans la parole où tu as annoncé nous que l'iniquité a tellement pris une dimension élevée. L'amour du plus grand nombre sera refroidi. Et merci parce que vous faites nous faire partie du reste qui garde la foi. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que vous faites nous faire partie du reste qui demeurait dans l'amour, dont l'amour n'est pas refroidi. Merci Seigneur parce que vous faites nous faire partie du reste qui garde la foi et qui persévère. Tapmando, aidez-nous. Arrêtez toujours de demeurer dans l'amour, à garder la foi et à continuer la course. De même que l'apôtre Paul, quand il disait, j'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Mais la prière pour cela au Seigneur. Malheureusement, amour a refroidi. Je demande autant de prier. Je rencontre avec mon Seigneur, Seigneur. On rencontre, on réveille dans la vie ici là. Parce que volonté, c'est pas pour personne perdue. Pour pas de personne perdue. Oui, son réalité et ou même ou t'es annoncé. Mais de notre côté, ou pas de personne perdue. Voilà pourquoi nous te prions, Seigneur, pour ton Église ce matin. Nous te prions pour des serviteurs et des servantes qui te servent dans l'amour, dans la foi, qui gardent la foi, qui demeurent dans l'amour et qui persévèrent. Nous prions pour l'Église, pour renforcer l'Église au matin. Fait que ces quatre piliers dont nous faisons de faire mention tout à l'heure, l'enseignement, la communion, la fraction de pain, la prière, fait partie de l'Église. Je dis à nos joindre, il y a des gens qui parlent la prière, il y a des gens qui parlent la parole. La prière trop, la parole trop. Pourtant, Seigneur, dans le temps, ton peuple restait debout pendant plus que 24 heures à entendre, pas même une prédication, mais la lecture de ta parole. Aujourd'hui, la science de la prédication évolue. Côté que, gain herméneutique, gain exégèse, gain homilétique. Il n'y avait pas tout ça. Les gens s'étaient réunis pour écouter la lecture de ta parole. Mais ils n'ont pas été fatigués. Mais encore, ça c'est un autre aspect dans l'avertissement que tu as dans les derniers temps. Les gens auront la démangeaison de la parole. Et pourtant, on dit nous, dans le dernier temps, ça, le temps est proche. Nous avons besoin de vaquer nous à la prière. Nous avons besoin de méditer sur parole au jour et nuit. Et c'est ça que le fait qu'on est ferme. Lorsque nous comptons parole, lorsque nous passons temps en présence, c'est ça que pour faire nous kembe. Lorsque l'iniquité sera accrue et que la charité du plus grand nombre sera refroidie, et nous-mêmes qui restons dans la parole, qui restons en présence, c'est nous qui avons persévéré parce que au moins nous connaissons la parole. On a demandé stabilité dans nous-mêmes, Seigneur. Stabilité spirituelle. Stabilité spirituelle, Seigneur. Stabilité spirituelle parmi nos jeunes. Stabilité spirituelle parmi les ouvriers. Stabilité spirituelle parmi les responsables. Stabilité spirituelle dans ton Église. Prions pour chacun de nous, Seigneur, pour notre persévérance. Donne-nous de persévérer ce matin, Seigneur. Donne-nous de persévérer. C'est vrai, n'attendez en pile, mais que ça n'attendez pas atteindre persévérance, non. Yo pas atteindre amour non pour même et pour ton service. Yo pas atteindre foi non, Seigneur. Oui, au matin. Accorde-nous cette grâce de vivre pour toi.
malgré vents et marées. Oui. Malgré les jours qui baillent la joie, nos tristesses. Pour nous vivre pour nous-mêmes, Seigneur. Les yeux sont capables de fixer sur nous. Que cœur nous capables d'être attachés à nous-mêmes. Oui, transformer tristesse nous en joie et pleurs nous en allégresse. Tout esprit de découragement dans nous matin, Seigneur, déclarer au anathème. Déclarer au anathème. Toi qui donne grâce au cœur qui regarde à toi, nos cœurs regardent à toi ce matin. Aie pitié de ton Église. Garde ton Église près de toi, Seigneur. Garde ton Église près de toi. Pendant que vous-même vous fait tri, mais nous-mêmes apprenons tout à faire tri dans la vie. Nous. Tri de ça qui est essentiel pour notre vie spirituelle et de ça et de ce qui ne l'est pas. Tandis que toi, tu fais le tri dans ton Église. Tu mettras à nu et à découvert ceux qui sont à toi et ceux qui ne le sont pas. Mais garde ton Église près de toi. Je te prie pour le salut des âmes qui se perdent dans ce monde fou et de confusion. Je te prie, Seigneur, pour le salut de ces âmes. Non. Tu as dit dans ta parole que les portes du séjour des morts ne pourront prévaloir contre ton Église. Non. L'Église Christ là pas caché à virer. L'Église Christ là pas caché à virer. Et c'est de l'Église ça nous fait partie. Et c'est dans l'Église ça n'a prêté. L'Église qu'on a venu chercher. Oui, Seigneur. Aidez-nous à garder la foi. À combattre le bon combat. Et à achever course, mon Seigneur. Car c'est ta parole qui nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, donne-nous, Seigneur, de marcher dans le salut, de progresser dans le salut, de prendre soin de ce salut, de ne pas nous contenter seulement du salut positionnel, mais de persévérer dans le salut jusqu'à atteindre ce salut final en Jésus-Christ. Ou, pas gagner sous le monde, ça, kap-kakembe-nous encore, parce que nous va quitter monde ça derrière avec tout ça qu'il a dans nous. Ah, je sais. Et en attendant, pendant que nous sur terre, ça, Seigneur, donne-nous de persévérer dans le salut. Persévérer dans le salut. Amen. Alléluia. Sois petit Seigneur. Me décourager. Sois ta main, dis bon Dieu, ma terre. Sentir ou frapper par ce vent de découragement.
Pas grand bagage ou ta remède, dit bon Dieu, la terre. Pas grand petit parole ou ta remède, dit. Avec mon Dieu là, donc parler avec les captains de haut. Vous avez force de faire, moi des forces. Vous avez l'énergie matière et l'énergie. Vous avez puissance, moi des puissances. Vous avez sagesse, moi des sagesse. Oui, Jésus. Sortez de vous, vous allez finir, vous allez finir, mais moi des sagesse. Demandez le sort besoin. Et l'on donne force. Cherchez et vous trouverez. Alors, demandez-le. Seigneur, matin, on compte ça que serviteur, servant, pour chuchoter nos oreilles au matin. On connaît demande. On connaît demande, Seigneur. Bien qui découragé, il a besoin, ou même matin, il a besoin de visite, il a besoin d'énergie, il a besoin de puissance, il a besoin de force, de sagesse. Qui sorti bon côté au Seigneur. On est capable de persévérer. On est capable de persévérer, Seigneur. On a besoin de tout. C'est ça que nous avons besoin, Seigneur, qui pour permettre que nous persévérer. Nous demandons au Seigneur. Dans le matin, Seigneur. Dans le matin. Dans le matin. Dans le matin. C'est ici la journée que nous fermons la fin. Soit pour moi, un sujet d'allégresse et de joie. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Toute âme forgée contre nous soit sans effet, soit nulle et sans effet, dans le nom de Jésus. Je nous souhaite une bonne journée dans le Seigneur et avec le Seigneur. Amen. Bonne journée tout le monde. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée à tous. Bonne journée, pasteur. Merci. Bonne journée à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, 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 amen. Et vous aussi. Amen. Bonne journée à tous. Bon matin. Merci ma soeur, Bonne journée tout le monde. Bonne journée Sadja. Bonne journée. Bonne journée. Amen. Amen.